On dit quoi? Il y en a plein le cul des pauvres? Ou on dit il y en a marre des pauvres? Ouais, il y en a plein le cul des pauvres, moi je trouve que c'est mieux. Eh les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches, y en a marre, marre des pauvres. Et il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah ça serait bien pour l'ensemble du, pour le Brésil et puis pour la planète football. Quoi. Le climat est tendu, oui, bah justement, il faut qu'on appelle, nous, les gens, à dire eh, le Brésil, faites un effort pendant un mois, calmez-vous, rendez hommage à cette belle Coupe du Monde. On a été au Brésil pour leur faire plaisir. Bah, les Brésiliens, il faut qu'ils se mettent dans l'idée de recevoir les touristes du monde entier et que pendant un mois, bah, ils fassent la trêve. Ballon, c'est ce qui nous fait vibrer et nous donne de l'envie de nous battre comme des guerriers. Depuis qu'on s'est marché, on t'attend un ballon. Les années ont passé et là on est à fond. Ce soir ça va donner, on explose le gazon. On va les balader tous là pour être champions. Ce soir on va gagner et on va tout donner. On va se défoncer sous les leurs. Supporters sont là, on les entend crier. Portant nos couleurs, ils jurent fidélité. On sera à la hauteur, tous super motivés. Et ensemble avec vous, ce soir on va gagner. Avec vos cris de joie, on va se libérer. Garantir un beau jeu, on veut vous faire rêver. Vous qui nous soutenez, c'est pour vous qu'on y croit. Et de ce ballon, ce soir on sera les rois. Des pauvres, oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres, y'en a nanana, y'en a marre des pauvres, y'en a marre. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité, marre des pauvres.